Bonjour Marina. Bonjour Mario. Alors, on se retrouve tous à Patrimonia cette année, c'est très agréable. Quels ont été, Marina, les faits marquants de l'année chez BNP Paribas Asset Management ? Alors ça, c'est, on va dire, l'aboutissement de tout un travail chez nous. Depuis plusieurs années, en fait, on a mis énormément d'efforts sur notre stratégie ESG. Et donc, depuis l'année dernière, tous nos fonds, tous les fonds de notre gamme intègrent les critères ESG. Voilà. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qui paye aujourd'hui parce que en 2020, les résultats ont été très bons, notamment sur notre gamme thématique. Donc, on a le fonds BNP Paribas Aqua, hein, le fonds phare qui a été lancé en 2008, mais on a lancé d'autres, énergie transition, BNP Paribas énergie transition, et on a encore d'autres projets encore dont on vous parlera. Alors ça tombe bien Marina, parce que la prochaine question c'est quelle est la politique en termes d'ISR de la BNP Paribas Asset Management ? Alors l'ISR a été placé vraiment au centre de notre gestion. On a un Sustainability Center avec des analystes extra-financiers qui travaillent avec tous les gérants de BNP PAM. Et donc, tous nos fonds intègrent les critères ESG. Et on va dire, on a au sommet de la pyramide les fonds labellisés. On a, en termes d'encours, nous sommes le premier asset manager pour le label ISR français. Et on doit avoir à peu près, on a 52 fonds labellisés. Très bien. Alors, on sait, BNP PAM très novateur. Quels sont les prochains projets ? Alors là, on vient d'en lancer un en juin. On a lancé le fonds BNP Paribas Écosystème Restauration. Et puis, on a aussi un fonds de croissance inclusive, BNP Paribas Inclusive Growth. Et voilà. Et donc, effectivement, ça fourmille d'idées et on les met en place et on les rend concrètes. Et c'est très, très. Enfin, voilà, je suis assez fière de voir ça et de travailler pour BNP PAM pour ça. Très bien. Pour terminer, l'ambiance cette année sur Patrimonia ? Alors là, je pense que tout le monde est extrêmement content de se revoir. Il y a du monde, tout le monde est au rendez-vous et voilà. Et ça fait vraiment du bien. Je pense qu'on en avait tous besoin.